Oh, 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 Big Black M. Yeah, les yeux plus gros que le monde. J'ai aussi les yeux plus gros que Betty. T'as sûrement dû croiser mon regard en te promenant dans la capitale. Là où on te montre que quand tu joues, y'a pas de match amical. On sait très bien que les kickers de Paname ils viennent du. On sait très bien que l'ennemi en face il fait du. Allez-y, parlez, vous pouvez rien contre mes. Les yeux plus gros que le monde arrivent, vous êtes tous mordants. Et ça fait oh, Paris Nord, oh, 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 Paris Sud, oh, 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 Paris Est, oh, oh, Paris West. Wesh les gens, oh, 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 on dit quoi? Oh, oh, oh. Paris, je connais Paris, et Paris me connaît. On sait pas si le salam on s'est peut-être cogné. Rebeu en bas de chez moi, rien qui parle chinois. Mais une fois la nuit tombée, c'est la caserne d'Ali Baba. Oui, oui, je l'aime ma ville et ses habitants aussi. Même si une fois la nuit tombée, ses résidents t'es vide. Oui, c'est pour ça ma douce France qu'on traîne en bande ici. Et face à certains de vos offices, il faut qu'on anticipe. Et les gens qui ont les yeux bridés en dessous de la tour Eiffel ne les ont pas pour la même cause que ceux de nos tours en effet. Tu sais, je préfère mon vécu à celui de 50 Cent. Même si j'ai jamais eu et je veux pas une vie de luxe du sel. Moi, c'est les vices du tiers qui m'ont mis là où je suis. C'est pour ça que mes gavas aimeraient que je fasse le disque du siècle. Putain de tracklist, poto. Je t'invite à monter sur mon black lib. Follow. Nuggy m'a dit que ça fatigue. Solo. Mais comme Mehdi, ne donne panique. Je suis hoche. Car j'ai les yeux plus gros que le monde. Plus mystérieux que la Joconde. Celui qui essaie de me faire de l'ombre n'est pas prêt de se faire un nom. Oh. Je devrais dire à Bélisse de me soigner. J'arrêterai pas tant que le daron n'aura pas de l'or sur le poignet. Les yeux plus gros que le monde. Ouh. Les yeux plus gros que Bélisse. Ah. Les yeux plus gros que le monde. Ouh. Les yeux plus gros que Betty. T'as sûrement dû croiser mon regard en te promenant dans la capitale. Là où on te montre que quand tu joues, y'a pas de match amical. On sait très bien que les kickers de Paname ils viennent du. On sait très bien que l'ennemi en face il fait du. Allez-y, parlez, vous pouvez rien contre mes. Les yeux plus gros que le monde arrivent, vous êtes tous mordants. Et ça fait oh, oh, Paris Nord, oh, oh, Paris Sud, oh, oh, Paris Est, oh, oh, Paris West. Wesh les gens, oh, 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 on dit quoi? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'était du bon de mon lieu. Paris Nord, oh, oh, Paris Sud, oh, oh, Paris Est, oh, oh, Paris Ouest. Oh, wesh oh, les gens, oh, oh, on dit quoi? Oh, oh, oh. Ah, oh, 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 oh. Sûrement dû croiser mon regard en te promenant dans la capitale. Là où on te montre que quand tu joues, y'a pas de match amical. On sait très bien que les kickers de Paname ils viennent du. On sait très bien que l'ennemi en face il fait du. Allez-y, parlez, vous pouvez rien contre mes. Les yeux plus gros que le monde arrivent, vous êtes tous mordants. Et ça fait oh, oh, Paris Nord, oh, oh, Paris Sud, oh, oh, Paris Est, oh, oh, Paris Ouest. Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente Mais c'est quoi ce bordel numéro 15. Alors, vous avez peut-être vu un petit passage en musique là. Alors, une petite musique de Black M, les yeux plus gros que le monde. Petite vidéo, une petite chanson mise en ligne par le groupe Section d'Assaut sur la chaîne Section d'Assaut. Voilà, alors c'est pas le genre de musique que vous avez l'habitude d'entendre sur mes vidéos. J'espère que la vidéo sera pas bloquée en France à cause de cette musique. En tout cas, je trouve qu'elle était bien appropriée, puis ça change un peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on est parti sur ce petit circuit d'Easy avec pas mal de monde. On dit, vous allez voir plusieurs sessions bien sympas. Et puis, vraiment, des courses de tout horizon. Et aussi marrantes les unes que les autres. Alors, vous avez vu un petit peu, hein, je schlag beaucoup. Alors je schlag pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Allez, regardez un petit peu ce passage. C'est quand on s'acharne volontairement sur quelqu'un pour essayer de l'avoir avec un méga, avec une étoile, avec un bill. On essaie de foncer exprès sur le dessus. Alors me voilà bien parti devant. Mais c'était sans compter sur le fait que cette course fait partie de Mais c'est quoi ce bordel numéro 15. Donc voilà, voilà, c'est quoi ce bordel. Une petite bleue comme ça à la fin. Le choc juste après les items. C'est à dire que j'ai plus rien. Je me retrouve à poil. J'ai pas de quoi me protéger. J'ai pas de quoi avancer.
Je me méfie quand même, hein. Manquerait plus qu'on vienne en plus me target en bille ou en étoile. Storm qui est devant, il lui arrivait aussi des petites misères. Et puis, je termine en zap. C'est le cocotier. Donc on peut dire une course plutôt un petit peu malchanceuse. Puisque vous avez vu de cette première place, la bleue qui tombe. Et j'ai bien souffert par la suite. Vous pouvez remarquer aussi ce nouveau funky. Alors c'est un funky que j'ai depuis très longtemps. Mais qui n'a pas été... Alors, faut montrer ce vert qui arrive random. Et oui, ça continue, ça continue. Il y a Royal qui nous a rejoint cette fois. Il y a aussi GT, il y a Jumpy. Je vous dis, un très beau monde, bien sympa. Et assez agressif. Alors ce funky, oui, c'est un funky que j'ai depuis longtemps, mais que j'avais tout simplement pas activé. Donc voilà, bon, j'ai voulu l'essayer, il est pas super super, hein. Personnellement, j'en ai d'autres qui sont plus jolis, mais pour le moment, c'est celui que j'ai mis sur ma carte SD, j'ai eu la flemme de l'enlever, donc vous verrez quelques vidéos avec quelques courses, et quelques vidéos même avec ce funky. Alors, vous avez vu un petit peu tout ce qui se passe, là, parce que longtemps que je parle, et il se passe quand même vraiment beaucoup beaucoup de choses, et c'était vraiment abusé, et là encore, vous allez voir, alors, je perds mon étoile que je n'ai pas eu le temps d'utiliser. Et puis, Ninspet qui vient de passer me la vole. Il me la pique sous le nez. Dommage, je suis venu en arrière un petit peu pour rien. Alors, du coup, un petit peu énervé, regardez. Ça fait plusieurs courses qu'il m'arrive quand même pas mal de déboires. Où j'arrivais de temps en temps quand même, assez même régulièrement, être dans le groupe de tête. Et il m'arrivait toujours des trucs de fou, ou un zap qui arrive au plus mauvais moment, ou une bleue comme vous avez vu dans la course d'avant. Et à chaque fois que j'ai eu des étoiles pour dodge ou n'importe quoi, j'étais toujours très mal inspiré. Là vous avez vu, cette bombe m'a presque forcé à activer mon doré. Je voulais peut-être pas forcément utiliser maintenant. Et du coup, regardez bien, Royal qui active le choc, parce que je pense que c'est Royal là. Et alors je repars à l'envers, parce que moi, quand j'avais fait ma vue arrière, je la voyais en bas, cette étoile. Et puis je vous fais un petit accéléré là, parce que franchement, la fin de course n'avait pas trop d'intérêt. Mais vraiment, encore une fois, une course pas très... avec pas de réussite du tout. Deux fois j'ai eu de quoi dodge le choc, et deux fois j'ai pas été inspiré et j'ai pas dodgé comme il faut. Allez, on retrouve mon funky habituel. Et là, un joueur Sebdeuf devant là, que vous avez déjà vu aussi dans mes vidéos. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué avec lui. Et prototype qui était là, c'était une course un petit peu ancienne là, flow devant. Vous allez voir, c'était des courses qui sont pas récentes. Duff Elias, c'est pas souvent que je joue aussi avec Duff Elias. Donc voilà, qui était là. Et puis on se fait tous allumer par une bombe qui a été posée par je sais pas qui, j'ai pas eu le temps de voir. Mais ça commence bien. Une course où ça commence bien. La 7ème, j'ai juste un champi. Allez, ne pas se faire gratter par pas se faire avoir par le build, c'est bon. Ça commence bien. Allez, une petite verte random. Vous allez voir que décidément il y a eu des courses. Ce Nini qui est devant là, avec sa Bill Bacon et son Skullerex, c'est Skullerex ou Yoshi, j'ai pas eu le temps. Oui, c'est Yoshi, pardon, je crois que c'était Skullerex. Et vraiment, il va me faire la misère, il va me mettre bien des bâtons dans les roues pour essayer de rattraper les autres joueurs. FW Blade Pyro, un joueur qui m'a contacté sur Skype il y a pas longtemps, il m'a dit qu'il avait joué avec moi, qui était content, donc voilà, il sera peut-être content d'être dans cette course. Ensuite, regardez un petit peu tout ce qui se passe. Alors là, par contre, c'est moi qui dois faire du dégât avec mon build. Je l'ai activé exprès à un endroit où je pense que je fais un petit peu du tort à pas mal de monde. Et il me fait quand même bien remonter, là, parce que je me retrouve derrière ce MKF, là. Avec un build. Et puis, je prends l'aspi, et ça, c'est top, quand même. J'arrive à repasser en troisième position. Et là, encore une fois, bon, je fail, hein, c'est mon fail habituel. Y a pas moyen, ça veut pas passer. Et là, il me faut absolument un item, donc j'utilise.
Alors ça c'est tactique ce que je viens de faire, j'ai envoyé la rouge mais en fait c'était pour pas me prendre le backspam de Seb parce que Seb je sais que il backspam aussi beaucoup. Et puis vous avez eu ce manque de réussite encore une fois puisque au moment où j'allais repasser deux, j'évite une première rouge et le choc fait que je peux pas éviter l'autre. Donc vraiment des courses à chaque fois. Bon là j'ai fail un peu vous avez vu mais en même temps il n'y a pas que ça. Et voilà allez encore une Bertrand qui vient en arrière comme ça. Et là il y a Flo qui vient m'écraser. Je vous dis vraiment mais c'est quoi ce bordel. Arrêtez de vous acharner sur moi j'en ai marre. Là vraiment c'était des trucs de fou. Et allez, la petite banane, vous avez vu quand même, je me retrouvais pratiquement en deuxième ou troisième position et comment ça va vite, hein. Suffit de pas grand chose, mais enfin, c'était quand même plusieurs petites choses. Allez, on va arriver maintenant, regardez, et puis le joueur qui fait deuxième, là, m'a beaucoup backspam aussi. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en apercevoir sur cette vidéo, mais un petit peu plus tard. Allez regardez là je suis troisième, je vous montre que la fin de cette course parce que vous allez voir comme c'est un peu tout ce qui se passe pour vous présenter vraiment que la plupart pour bien vous montrer que quand même la plupart des courses c'était vraiment mais vraiment le bordel. Et vous allez voir un petit peu tout ce qui arrive là. C'est comment de la troisième place finir pratiquement dernier. Alors, regardez, je suis un petit peu deg là, je laisse passer même du coup je suis tellement énervé. Allez. Maintenant, on va voir un petit peu la suite. Hey, c'est la pub. Et oui, voilà un petit peu de publicité. Alors, je voudrais faire un petit peu de publicité pour une team qui essaye de renaître de ses cendres, la ED, les Extreme Drivers. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Oui, une team où il y a de très bons joueurs, excellents joueurs qui font partie de cette team et qui étaient amortes et qui essayent un petit peu de se relancer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous verrez, c'est une team qui peut faire pas mal de choses. Et vous pouvez aller vous inscrire sur le forum et faire peut-être des demandes de recrutes, vous verrez ça avec le... Et puis je vais aussi vous présenter maintenant la chaîne d'un autre joueur. C'est alors je sais pas comment ça se prononce, Rain ou Rain. En tout cas, c'était un joueur, un excellent joueur de MKWi qui avait un petit peu disparu et qui vient de revenir et qui avait fait des vidéos. C'est un des premiers youtubeurs que j'ai suivi et que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, dans cette vidéo d'ailleurs j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, vous allez le voir dans des courses qui vont suivre. Et je tenais absolument à faire la pub, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous ferai aussi je vous mettrai le lien dans la description. Sur ce, on continue sur les courses. Donc voilà sur ce quartier Delfino. Je crois donc que le joueur dont je vous parlais, Rhin, est là. Je suis pas sûr que ça soit encore dans ce monde-y, mais en tout cas, soyez-en sûr, vous allez voir une ou deux courses. Alors cette course-là, ah bah le v'là, voilà, Rhin qui joue en Bowser. Je sais pas si c'est Bowser ou Bowser squelette, puisque là, moi, je l'ai en texture. Et vraiment un joueur d'un niveau mondial. Donc qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors peut-être qu'il a un petit peu perdu de son level parce qu'il joue beaucoup moins qu'avant. Mais je peux vous dire que c'était vraiment un phénomène. Et j'ai vraiment plaisir d'avoir enfin un mondial avec ce joueur. Puisque comme je vous dis, c'était vraiment un joueur, comme certains me disent qu'ils sont fans de moi ou de mes vidéos. Ben moi j'étais relativement fan de son run, de son jeu au début, je regardais principalement deux ou trois youtubeurs que je suivais et dans les deux ou trois il y avait ce joueur. Allez, vous avez vu un petit peu hein, c'est mouvementé, ça joue hein, c'est pas de la gnognotte. Alors Royal, désolé mon pote, je sais, j'ai encore fait la figure quand je fais ce cut. Bon, c'était pas volontaire. Je fais des efforts pour plus la faire. Voilà, Floppy. Ah, Floppy. Floppy qui m'a vraiment fait la misère.
en même temps tout le monde se fait la misère, mais c'est bizarre, souvent avec Fluffy on s'est fait pas mal de vacheries. Alors que attention, il n'y a rien pour Fluffy, c'est que voilà, de toute façon, dans les mondes comme ça, il faut jouer de cette manière. Vous avez vu aussi Béa Kaizoku. Alors dernièrement, j'ai rencontré 3 BA en même temps dans un monde, je peux vous dire qu'ils m'ont fait la misère. Je sais pas ce qui se passait. Ils sont acharnés sur moi. Et vous avez vu ce dodge? Alors ça c'est un dodge, oui, parce que bientôt je vais attaquer mon lexique pour expliquer aux joueurs un petit peu les termes de Mario Kart Wii. Donc là le dodge en étoile qui venait à point nommé, et pourtant vous avez vu que je finis quand même 5ème. Pas mieux que ça. Vraiment, pour vous dire que le niveau est vraiment relevé. Allez, j'espère que la qualité de cette course que je vous présente actuellement sera pas trop mal. Parce que en fait, j'ai eu un petit souci avec mon HDPVR et j'étais obligé de magouiller pour pouvoir quand même vous montrer cette course. Donc j'étais obligé de l'enregistrer d'abord avec un autre logiciel, de repasser après. Alors j'espère que la qualité sera quand même correcte. Mais cette course, en fait, dans cette session, il y avait de très très bons joueurs. Et le niveau était bon, mais en même temps, c'était hyper agressif. Et on vient de faire déjà un premier Waluigi où j'ai fait 4ème, je crois. Et on va donc refaire un deuxième Waluigi que je vous présente là. Et là, celui-là m'avait semblé un peu plus intéressant à montrer. Et la présence de Libra, que certains... Voilà, qui est devant, là. Libra, un très bon joueur aussi, hein, qui a pas toujours été apprécié, je sais pas pourquoi, à sa juste valeur, par certains joueurs de MKU, peut-être à cause de son caractère, j'en sais rien, je le connais pas bien. Mais en attendant, ce joueur a quand même un très bon niveau, avec des bons time trials. Et j'ai pas eu souvent l'occasion de jouer avec, de temps en temps ça m'est arrivé. Mais je crois qu'il est dans la roster de Shiny et aussi de Indochina. Ah, regardez ce passage, je vous fais un petit retour en arrière, parce que c'était vraiment épique encore. Si je vous dis, si je vous montre cette course, c'est pas pour rien. Voilà, j'ai mon ordi, hein. Là ça bug, hein. Je vous dis, j'ai enregistré, alors j'espère que ça va aller au niveau du commentary par rapport à cette course, parce que du fait que ça a été enregistré par un autre logiciel et tout, ça bug énormément, là, et mon ordinateur est un petit peu en souffrance, là. Il comprend pas ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'on lui demande un petit peu trop de choses aussi en même temps, le pauvre. Vous avez vu Nadjo aussi qui était dans ce monde, vraiment je vous dis, c'était une course qui était vraiment sympa. C'est Kawin qui est là. Donc j'essaye absolument de prendre un item, je voulais absolument avoir au moins une étoile, ça aurait été vraiment bien. Bon ben 3 champions, on va faire avec. Regardez en plus ce fin de course qui est avec tout qui traîne là. J'arrive quand même à être en 5ème position, 4ème maintenant. Allez c'est nickel. Je vais quand même arriver à terminer aussi 4ème cette course devant Libra qui est en zap là derrière moi. Et mon niveau de points qui est bien remonté, hein, parce que vous avez vu, hein, je suis quand même sur mon principal. Et je vous montre maintenant ma dernière course. Celle-là aussi était assez épique. Alors elle fait partie aussi de la même session, hein, je sais plus. Honnêtement, je vous dis, je suis un petit peu perdu parce que j'ai choisi plusieurs sessions pour vous faire, pour vous montrer ces courses. Et en même temps, j'avais aussi envie de vous mettre les vidéos, les courses, pardon, dans un ordre bien précis. Ce qui fait que, en fait, il y a des courses de la des sessions qui sont. Comment vous expliquer, je montre cette course là, mais ah voilà un beau petit dodge encore. Enfin non, c'est pas un dodge, je dis n'importe quoi, c'est moi qui envoie le choc. Oh là là, je dis n'importe quoi. Regardez, vous allez voir, je vais passer en tête là. Et pas de cadeau pour d'ailleurs un ED. Vous voyez, Yet, qui est un très très bon joueur, qui fait partie de la ED dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est S. Robert qui me suit.
Oui, donc voilà, des courses de plusieurs sessions, mais ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas mis les unes derrière dans les unes derrière les autres, elles sont simplement mélangées, donc on passe d'une session à une autre, on revient sur la session d'avant, etc. Dans cette vidéo et cette course. C'est pour ça que c'est pas trop facile à de commenter pour savoir où on en est. Allez, un choc, pour le moment ce choc me gêne pas plus que ça, à part que je fais beaucoup du n'importe quoi au niveau de mon run. J'ai posé, vous avez vu, un fake à un endroit bien précis à la sortie de la deuxième bande bleue. Ça gêne beaucoup, beaucoup. Et pourquoi cette bordel alors, cette course? Mais pourquoi? Dites-moi voir un petit peu ce qui se passe, parce que je me souviens plus. Ah non, je sais plus du tout. Ah, vous allez voir aussi encore. Alors, un fail, pour ceux qui savent pas, un fail c'est une faute, quand on fait une faute. Regardez bien, j'envoie ce fake en avant, mais je ne cherche pas à sniper Samy. Pas du tout, au contraire, Samy joue correct avec moi dans le monde. Je veux juste tout simplement lui montrer que j'ai pas envie de lui mettre dans la tête, de lui backspam. Donc pour pas le gêner, je veux pas me le coller derrière les fraises, je veux l'envoyer devant, et sauf que je me l'envoie dans la tête. Faut quand même être nul. Et du coup, vous avez vu tout ce qui se passe, parce que maintenant je me retrouve en quatrième position. Et puis, alors là, démon là, qui pose sa banane pour me piéger, et ben t'aurais pas dû, démon, tu vois, fallait garder ta banane. Ça serait pas arrivé. Et puis je repasse en première position. Je vous dis, c'est vraiment le gros bordel. Il se passe un petit peu n'importe quoi. Yep qui arrive à reprendre la tête. Et regardez bien ce qui se passe. Alors il s'est pris un truc qui était au sol. Et en plus il se prend la bleue par dessus tout. Donc vraiment une course épique de bout en bout. Et qui va me réussir, et j'avais envie de terminer. Regardez, heureusement qu'il y a le choc, sinon en plus je me fail dans les flammes. Des courses très très sympas, donc j'avais bien envie de vous montrer. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.